Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyan's Report. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mais que se passe-t-il quand la robe de votre mariage se trouve là, en dessous des roues de votre voiture? Regardez bien. Regardez là. Est-ce que vous voyez en dessous de Nyan's Report les roues de la voiture? Franchement, c'est assez impressionnant. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, là, maintenant, dans ce témoignage que nous allons écouter, nous allons entendre, sera plus grave que ça. Franchement, mes frères et sœurs, soyez prêts. Et franchement, soyez prudents dans la vie, dans tout ce que vous faites. Écoutez ce témoignage, c'est prêt. Une, deux, trois, c'est parti. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et puis tu parles ainsi? Écoutons-le, écoutons-la. Hein? Elle n'a pas mis le levier de sa voiture. Et quand elle est sortie de sa voiture s'est mise à rouler. En quelle direction? Écoutons-la. Hein? Là, elle se trouvait entre les deux voitures. Waouh! Là, ça va être chaud. Sérieux? Alors là, c'est vraiment chaud. Elle a entendu la voix de Dieu qui lui disait d'appuyer sur le klaxon. What? Tout simplement, mes frères et sœurs, quand vous êtes à l'aise et que vous avez la paix, le diable fera tout ce qui est à son possible pour vous une situation difficile. Mais vous priez, priez, priez seulement. Le Seigneur Dieu, notre Dieu, interviendra à votre faveur. Écoutons encore. Oh. Hein? Waouh! Oh là là!
simplement. Tout simplement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec moi et il pourvoira. Ça, c'est la foi. Cette femme-là, c'est une femme de foi. Et si vous avez une femme comme elle, vous êtes heureux. Ah ben, elle l'a eu. Parce que c'est la vérité. Et ça se démontre. La foi est ici. Et Dieu est en train tout simplement de nous révéler ce qu'il faut faire dans cette situation. Écoutons encore. Tout simplement. Amen. Elle savait où elle allait. Elle savait tout ça. Waouh. Comment c'est possible? Dieu avait sa main sur elle. Dieu avait sa main sur elle. Je suppose que c'est ça. Il dit, il sait. Il sait que c'est grâce à la prière de tous ceux qui l'ont soutenu là qu'elle a pu s'en sortir. Ça veut dire que le monde entier doit se mettre à prier pour des personnes en danger, pour toutes les personnes qui sont dans les moments difficiles. C'est là que Dieu nous attend, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, oui, il faut absolument que nous prions et nous demandons toujours à Dieu de nous secourir. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que oui. Prions, mes frères et sœurs. Elle dit que la vie est courte. Et on ne peut pas dire, je vais mourir dans telle année, dans tel moment, après 50 ans ou quoi que ce soit. La mort peut survenir à n'importe quel moment. Mais la question qu'on doit se poser, mais où allons-nous passer notre éternité? C'est-à-dire la vie après la mort. C'est le moment d'avoir Dieu dans sa vie. Et de demander à Dieu de nous aider. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. S'il te plaît, entre dans notre cœur. Rentre dans ma vie. Et prends le contrôle de ma vie jusqu'au bout. J'ai besoin de toi pour me guider. J'ai besoin de toi pour m'accompagner. Jusqu'à la fin de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Secours-moi tous les jours, Seigneur. Et sois toujours mon protecteur. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est une histoire extraordinaire. Est-ce que c'est terminé? Bien sûr que oui. Mais la présence de Dieu dans notre vie est toujours là pour nous secourir de tous les dangers. Et ça, c'est extraordinaire. Le prochain témoignage puissant arrive bientôt. Mais une histoire incroyable va suivre cette vidéo. Préparez-vous, ce n'est pas encore terminé, ça ne fait que commencer. Mettez votre foi en Dieu et écoutez
entendez sa voix dans toutes ses dimensions. Que Dieu bénisse vos soeurs. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.